Bonjour. Élodie est mère de 4 enfants. Pour elle, fini les grandes surfaces classiques. Elle préfère cette épicerie anti-gaspi. Ici, que des produits qui n'auraient pas dû finir dans son panier, mais à la poubelle. Comme ses légumes un peu moches, ou ses fruits hors standard, qui ne rebutent pas Élodie. Peut-être une forme un peu différente, mais elles sont délicieuses en tout cas. Des figues à 1,50, ça doit être 500 grammes. Et elles sont à 5-6 euros ailleurs. Donc ça vaut sacrément le coup. Les prix sont entre 15 et 50% moins chers que dans les grandes enseignes. Mais il y a quelques contraintes. Alors, les poulpes au pesto, c'est une date courte en fin de compte. Je pense qu'il faut les consommer avant demain. À 1,10€, 4 fois moins qu'en supermarché, Élodie n'hésite plus. Je peux me permettre d'acheter des produits que je n'achèterais pas forcément en grande surface, parce que justement, on arrive à avoir des réductions assez intéressantes. Et pour ces blancs de poulet qui seront périmés dans une semaine, Ça va partir au congélateur en rentrant. Dans les rayons, le choix est parfois un peu limité. Alors, mes enfants me réclament de la pâte à tartiner, ça c'est certain. Mais là, typiquement, je ne vais pas prendre ça. Je vais être obligée d'aller ailleurs parce que moi, ils me demandent une marque bien spécifique. Et si je ne reviens pas avec ça, je me retrouve avec le pot qui moisit et que je vais jeter. Donc, autant le laisser à ceux qui ne jetteront pas. On ne trouve pas tous les produits ici, toi ? Non, on ne trouve pas tout. Une fois par mois, je vais compléter et je vais aller acheter ce que je n'ai pas trouvé ici dans une grande surface plus classique. En revanche, le passage en caisse est moins douloureux qu'en grande surface. Bonjour. Bien et vous ? 30% moins cher en moyenne. En venant ici, on diminue sensiblement le budget, puisque avant, pour 6, j'avais un budget d'environ 1 200€ par mois. Et là, on n'arrive pas loin des 900, donc c'est plutôt intéressant. C'est même carrément intéressant. Chaque mois, dans cette épicerie, 30 tonnes de marchandises sont sauvées de la destruction. La plupart des produits sont des invendus. Ils ne proviennent pas des hypermarchés de la région. Au revoir, merci. Mais directement des fabricants. ...8h du matin. Je vais déposer. Marlène, la responsable du magasin, réceptionne les fruits et légumes. Certains sont juste un peu défraîchis, comme ces navets produits dans la région. Ça, c'est des produits, par exemple, qui vont être écartés du circuit traditionnel parce que les fans vont être un peu fatigués, un peu flétris. Mais on peut vraiment voir que le produit, il n'est pas altéré, il est vraiment nickel, intact, au niveau de la fermeté, tout ça. C'est juste la fan qui est un peu fatiguée. Ces navets, comme d'autres légumes, ont été refusés par la grande distribution au moment de leur livraison, car jugés inesthétiques. Le producteur s'est retrouvé avec la marchandise sur les bras. On va y arriver. La grande distribution, en fait, ils vont juste juger sur le visuel du dessus. Pour eux, là, ils vont considérer qu'il y a trop de produits impropres, on va dire ça comme ça, et du coup, ils vont l'écarter. Et moi, mon maraîcher, il va venir me le proposer, et nous, on va prendre le temps de faire le tri. Les géants de la distribution ont parfois des pratiques qui génèrent beaucoup de gaspillage, car ils imposent aux transporteurs des contrats stricts. Les colis livrés doivent être impeccables. Sur cette palette, de la marchandise refusée par un hypermarché. Donc les œufs. Vous voyez, par exemple, là, les œufs. Là, j'ai une palette, vous voyez, la boîte, elle va être endommagée. Donc ça, ça a pu être un refus. 10, 12, 14. J'ai 16 boîtes, il y en a une qui est cassée. Il y en a 15 qui ont été refusées, du coup. Un œuf de cassé, tout le lot est retoqué. Et des fois, il y a du tri, ça peut être un yaourt qui est légèrement, l'opercule légèrement abîmé. Là, il y en a un qui a perdu ses petits frères et ses petites sœurs, mais bon, il est consommable. Donc ça, c'est refusé pour eux. Mais aussi un colis de 6 bouteilles de yaourt à boire, exclu pour une seule étiquette déchirée. Ça
c'est une pratique commerciale qui va être faite par la grande distribution en fait, pour faire pression au niveau des transporteurs, au niveau des fournisseurs, pour vous montrer l'absurdité. Des fois, moi, je vais recevoir une palette entière de produits. Ils ne sont même pas défaillants, c'est juste parce que le livreur est arrivé une heure en retard. Si nous, cette palette-ci, on ne la récupérait pas, l'intégralité des produits que vous voyez sur cette palette était destinée à être détruits ou être mis à la poubelle. Alors, ces articles, écartés du circuit, les petits fours salés. Marlène les rachète à petit prix aux transporteurs. Ensuite, ils seront revendus en magasin, moitié moins cher qu'en supermarché. Les produits non alimentaires, Marlène les rachète directement auprès des industriels ou des grossistes. Des invendus pour la plupart, mais aussi des fins de série. De temps en temps, ça va être juste parce qu'ils ont changé le packaging, en fait. Et la grande distribution va vouloir les nouveaux packaging. Là, on est sur un fond blanc. Avant, par exemple, c'était un fond bleu sur une écriture blanche. Sauf que ça, ils n'en veulent plus, c'est boudé. Donc ça se retrouve dans nos réseaux, quoi. Mais ce sont les fruits et légumes qui sont les plus gaspillés en France. Près du quart de la production nationale part à la poubelle chaque année, 2 millions de tonnes. Avec l'essor de la grande distribution dans les années 60, des normes ont été créées pour standardiser certains produits frais. Une courgette, par exemple, doit mesurer entre 14 et 21 cm. Un kiwi doit peser au moins 65 grammes. Un œuf, 53 grammes. Marco, viens là. Viens. Il est où, Narco ? Cette réglementation européenne a été en partie abolie. Mais la grande distribution continue de l'imposer aux producteurs, car les consommateurs s'y seraient habitués. Ah, il y en a une qui va être trop grosse, là. Ah, oui. Christian et Anne cultivent 4 hectares de légumes en pleine terre. La première étape dans la récolte des carottes, la chasse aux gueules cassées. Non, celle-là, elle est mal formée. Elle a des yeux et elle devrait être plutôt droite. Celle-là, elle est belle. Elle est bien droite, pas tordue. Ces critères de beauté imposés par la grande distribution... Elle n'a rien sur la peau, aucune trace. Très bien. ...génère du gaspillage. Celle-là, elle serait trop longue. Trop grosse et trop longue. Les gens, quand nous, on va les vendre, même en direct, ils ont tendance à les choisir... comme la grande surface les a habitués, quoi. Droite, longue. Voilà, ça serait en déclassé, tordu. Là, ils commencent à être un peu petits, là, les carottes. 30% des carottes, hors standard. Pendant des années, ces légumes déclassés ont servi de friandises pour leurs vaches. Un gros manque à gagner. Mais Christian a trouvé un nouveau débouché pour ces légumes indésirables depuis l'ouverture de l'épicerie anti-gaspi. Il y a un an et demi. Bonjour. Je te ramène des carottes. La déclassée, comme d'hab. J'ai encore de la voiture. Je te mets ça en shampoing. Ouais, vas-y, bah, tu veux une palette ou pas? Oh non, ça va aller. Christian préfère rester discret sur le prix auquel il vend ses carottes à Marlène. Il craint que ses clients de la grande distribution cherchent à renégocier à la baisse le prix de ses légumes standards. Nous, les petits producteurs comme ça, on veut quand même les faire bien marcher, donc on va pas non plus... En fait, c'est pas bradé non plus. Après, voilà, c'est fixé au juste prix pour que tout le monde, en fait, s'y retrouve. Comme Christian, une dizaine de maraîchers de la région assurent quotidiennement la livraison en légumes. La belle courgette. Magnifique. Bon, bah, elle est lourde, celle-là, je te laisse porter. Mais l'approvisionnement d'une telle épicerie reste parfois un vrai casse-tête. À la fermeture de midi, inspection du rayon réfrigéré. Fabienne, la responsable des achats, doit trouver chaque jour de quoi achalander les rayons des 6 magasins que compte l'enseigne. Là, on a la charcuterie qui arrive demain, heureusement, parce que voir un rayon vide comme ça, ça m'irrisse. Les produits frais représentent 50% du chiffre d'affaires. L'approvisionnement dépend des stocks d'invendus des fournisseurs. Une donnée aléatoire. Fabienne doit contacter des dizaines de fabricants dans l'agroalimentaire pour tenter de trouver la marchandise. Oui, bonjour Stéphanie, c'est Fabienne de Antigaspi. Je voulais savoir si éventuellement vous aviez une visibilité sur de la charcuterie. C'est certain qu'on n'aura rien pour cette semaine. D'accord. Appel suivant, un producteur de poulet.
Stéphanie. Oui. J'ai des escalopes de poulet bio. J'en ai 240 barquettes DLC au 22. 240 barquettes, deux fois plus que la quantité qu'elle achète habituellement. Ce qui est compliqué, là, c'est que en fait, la quantité, elle est assez importante pour l'écoulement que l'on a. Ils seront périmés dans 4 jours et nous, on vend jusqu'au dernier jour de la date limite de consommation. Fabienne ne pourrait acheter qu'une partie du stock pour être sûre de les écouler en 4 jours. Mais elle sait que le producteur devra jeter le reste. Le poulet est un produit très demandé. Elle prend donc le risque de tout acheter. Tous les jours, on a des problématiques différentes et des pénuries ou trop de stock. Et le plus frustrant, c'est quand il y a trop de stock et qu'on ne peut pas tout prendre. Les 5 épiceries ouvertes dans l'ouest de la France sont rentables. Une idée qui a germé il y a 2 ans dans la tête de Charles Lottmann, 31 ans, le cofondateur de l'entreprise. Pour se lancer, il a renoncé à son confortable salaire dans la finance. Ce gaspillage, il exerce une pression considérable sur les ressources. En plus, franchement, de voir que ça fait mal au cœur de voir des produits derrière lesquels il y a du travail, il y a de l'investissement et qui terminent à poubelle. Et donc moi, j'avais envie de renforcer dans ma vie de tous les jours mon engagement écologique et ça passait par le fait de trouver des solutions très concrètes. Pour alimenter toutes ces épiceries, Charles a besoin en permanence de trouver de nouveaux fournisseurs. À Rungis, le premier marché de produits frais au monde, ce serait bien surprenant qu'il ne trouve pas quantité de marchandises à sauver. Donc on va chez qui là voilà, chez Trivol. Ah, il a peut-être des dates courtes parce qu'on est mercredi. D'accord. Il a embauché un ancien grossiste du marché, Raphaël, 25 ans de carrière et un fin négociateur. Et toi ? Très très bien. Je te présente Charles. Au pavillon de la volaille, ce grossiste a des cuisses de poulet Label Rouge, dont la date limite de consommation approche. Ouais. Il a fallu la convaincu. Si, je suis convaincu. Regarde, la date, elle est bonne. Ouais. Bonne date. Dans 4 jours, elles seront bonnes pour la poubelle. Et il y a 8 cartons à écouler. On va être court, hein. Là, il reste 4 jours. Hein. Bah ouais, c'est ça, c'est court, hein. Parce que là, on est le 23, ça arrive dans le magasin le 24, il reste 4 jours. On va avoir le week-end pour le lundi, proposer hein. En magasin. Oui, ouais, mais 3 jours oui, après, mais le prix est intéressant. Bah, ouais. J'espère. Les négociations sont ouvertes, à l'abri de nos micros. Alors, j'achète plus cher que ça. Bah, je sais. Vous voulez pas faire des sous, non, Léo ? Bah, tu vas vraiment gagner, c'est pas grave. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Et moi, il me coûte ça. Ça, à la rigueur, mais en dessous, je peux pas. Et c'est vraiment parce que je te fais plaisir. Plus la date de péremption est courte, plus Raphaël est en position de force pour négocier. Lui, il les paye 3 euros, et il voudrait me les vendre 2,90. Et moi, je veux pas, je voudrais 2,70. Parce qu'on a quand même le coût du transport, on a quand même la marge en magasin, et il faut que si on la revend en magasin, au moins qu'on soit à un prix qui soit compétitif par rapport aux concurrents de la grande surface. Tu risques de passer à côté du bonheur. C'est vrai. Tu prends des risques, Raphaël. Merci. Finalement, Raphaël achètera les cuisses à 2,50 euros le kilo. Elles seront revendues 1 euro plus cher en magasin. Elles sont dures en affaires. Un autre commerçant de fruits et légumes a appelé Raphaël pour tenter de sauver un stock de pommes. 1,5 tonne qui pourrait finir à la benne à ordures. Donc c'est lesquelles, les petites pommes là, qu'ils ont là, hein. Voilà. Et elles sont pas un petit peu tachées aussi? Donc, ah ouais, tu vois, là il y a un peu de tri. Là, ici. Il y a des taches, ouais. Elles valent 90 centimes et c'est des pommes qui, nous, là, moi je vais essayer de mettre entre 30 et 35 centimes. Mmh. Avec un petit peu de tri à faire, c'est des pommes qu'on peut essayer de revendre en magasin 90 centimes. D'accord. Tu pourras peut-être faire quelque chose en plus parce que t'as vu, il y a encore la tâche. Encore en plus, je vais t'enlever 5 centimes, c'est bon. 5 centimes? Je t'enlève 5 centimes, je pourrais pas faire moins. Hein. Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ça fait 30, c'est bon, on est 30 bon centimes. 30, on reste sur 30. Vas-y, 30 centimes. Là, c'est comme les palettes, elles étaient un petit peu cassées. Ça arrange tout le monde, c'est un prix qui arrange tout le monde. Sinon, ça partira à la poubelle. Et ça va être malheureux de... C'est un produit consommable encore. Là, il lui propose une autre variété de pommes. C'est pas français. C'est pas français, ta Brayburn.
Ah ouais, c'est de la Nouvelle-Zélande. Et il y a pas assez de pommes en France, non, pour aller en Nouvelle-Zélande. Oh ! Raphaël achète local. Allô ? Ces pommes de l'autre bout du monde... S'il te plaît, merci. Il ne veut pas les sauver. On est en pleine saison de pommes-poires en France. C'est pas la peine de faire 15 ou 20 000 km à une pomme, alors qu'on peut en acheter à 200 km de chez nous. Ces pêches de vigne, qui pourrissent dans le stock depuis plusieurs semaines, sont bonnes pour la poubelle. Près de 400 kilos. On peut rien faire. Il aurait fallu m'appeler il y a une semaine. J'aurais peut-être pu faire quelque chose. Raphaël et Charles achètent 500 kilos de tomates pour 75 euros, 6 fois moins que le prix du marché. À Rungis, les grossistes donnent une partie de leurs invendus à des associations, comme les Restos du Cœur. Le reste est jeté et sert de combustible pour le chauffage des bâtiments. À l'épicerie de Meulles, les produits livrés changent presque tous les jours. Marlène doit fixer le prix de vente en magasin pour chaque nouvel article. Pour être sûre d'être moins chère que la concurrence, elle se connecte au site du supermarché le plus proche. Je vais aller voir sur le site internet de mon concurrent les prix qu'il va appliquer pour ce même produit. Donc demain, je reçois ce produit-ci. Voilà, on voit qu'il est vendu à 3,80. Hello. Marlène s'engage à être entre 20 et 30% moins cher que la grande distribution. Du coup, si j'applique une remise de 30%, j'arrive à un prix de vente affiché à 2,70. Là, c'est un produit que j'ai acheté à 2,35 €. Donc le mettre à 2,70, ça va pas être possible pour nous. Il n'y a pas assez de marge. Donc là, je vais mettre un prix à 3 €. Du coup, en le fixant à 3 €, je vais être 20% moins cher que la grande surface qui est implantée juste en face de notre épicerie. Mais il y a une limite. Car la grande distribution elle-même fait des promotions sur ses produits bientôt périmés. Dans ces cas-là, l'épicerie anti-gaspi ne peut pas toujours s'aligner et affiche parfois des prix un peu plus élevés.